Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander, je reprends son expression, de revenir à la raison, de façon à adopter une nouvelle attitude et une attitude qui soit celle d'un retour à la paix et non pas de la continuation de la guerre, une guerre non provoquée, choisie par la Russie et menée par elle depuis un an, plus d'un an déjà, par des moyens qui violent toutes les lois de la guerre, tout le droit international humanitaire, s'il fallait ajouter cela. Nous demandons également à la Chine, bien sûr, de s'abstenir de toute livraison d'armement à la Russie, car ce serait basculer dans tout à fait une autre configuration qui remettrait en question le regard que nous portons sur ce pays.